Bienvenue, chers fidèles amis téléspectateurs de l'émission Temps précieux. Nous sommes présentement à Kinshasa et sur FM Télévision. Nous avons le réel plaisir de vous savoir une fois de plus face à vos écrans en train de suivre cette émission. Une émission qui vous donne la joie, une émission qui vous communique la bonne humeur à travers la musique gospel ainsi que des hommes de Dieu inspirés. Nous avons l'habitude de dire ça parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Temps précieux, qu'est-ce qui est temps précieux? Moi, je vous dirais que temps précieux, c'est un moment favorable. Vous savez, la Bible nous dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que mille jours ailleurs. Donc, ma rambo, tu as le panzam, mais il est la tuya, qui est au tesoir à mon kiliango. Tu prends le ganabino, un moment précieux dans la présence de Dieu, un moment où il est vraiment bénéfique pour tous les enfants de Dieu. Avant de commencer cette émission, je dis un grand merci à ma famille, à ma maman biologique, maman Bia. Je dis aussi un grand merci à mon grand frère que m'aime beaucoup. Lui, c'est d'abord le partenaire puissant de cette émission, le maître fidèle Bobois, ainsi qu'à mon préfet LG Batata. Nous allons recevoir quelqu'un de bon dans cette émission. Balobi, il est génération en génération à Nounarate, à Kolarate. Il reste toujours là. Dans les années 1960, 70, 90, jusqu'à aujourd'hui, sa voix est toujours là, en train d'influencer le monde et surtout plus dans les domaines d'adoration. Mais avant de l'accueillir, je voudrais retourner à la régie. On va nous proposer quelques chansons de la personne que nous allons recevoir sur ce plateau. Et je pense que Nanda Kobo a déjà idée, Yamutu Oto Yamba. Et puis, il y a Moutou Tourslana et Lélo. Et vous allez encore être bénis dans vos maisons. Il s'agissait bien de Papa Deningonde que nous allons recevoir sur ce plateau. Papa Moro Malamo. Moi, je dirais qu'un bon prédicateur, un bon chanteur, et plus loin encore, écrivain. Donc, il fait des choses extraordinaires dans la présence de Dieu. Azarou, tu m'as présenté Belete parce que Casquette n'a déjà connu. En tout cas, je suis très ravi et privilégié de le recevoir sur ce plateau. Bonjour Papa Deningonde. Bonjour Papa Harry, moi aussi je suis flatté, moi aussi de même. Merci pour le privilège de Salinga, où il y a un missionnaire. Bonne santé. Ngola Tata Zofuluka. Après Kolwezi, voilà, nous sommes là. Oui, je viens de Kolwezi, ça fait une semaine, presque une semaine. Parce que si, c'est au comité lundi, comme il y a une semaine, j'ai été invité par l'église. La borne parole du salut, il y a Kolwezi. Là, c'était pour, j'ai vêtu ma... mon habit de chanteur en tant que de prédicateur. J'étais parti là pour clôturer un séminaire qu'ils ont chaque année, une convention de prière, et j'étais le dernier orateur et le dernier chanteur aussi. Très bien. Papa Deningonde de Lelo, je suis un peu belé, je suis un peu bon limité, je suis un peu chrétien. Je suis un peu belé, je suis une image de Papa Deningonde. Ce sont des papas de 1960, 1950, 1980, tout comme ça. Pourquoi le bel son qui est Papa Deningonde? Papa Deningonde, son gui, au lingui, ou y a Papa Deningonde, barazora mongolou. La grâce. Au tiers Papa Deni, c'est ça. Vine grâce, Dibala n'a grâce, voilà. Bana n'a grâce, Moussa n'a grâce, Santé n'a grâce. Tout ce que je suis, ce n'est que le résultat de la grâce de Dieu. Okay. Ça fait maintenant 40. J'ai commencé en 1978, 78, et comme ce qu'on a, après 45 ans. 45 ans de carrière. De carrière musicale. Okay. Des carrières en général. Carrière parce que banana banda, j'ai appris l'école du dimanche, comment chanter et prêcher. Et j'ai appris la ligue la même chose. J'ai appris dans la croix, le corps du ciel la même chose. De la banda, pour pas me dire, je suis un parole. Et c'est cette parole-là qu'on chante. Cette parole-là qu'on chante. Qu'on a une commission de quoi en Zemo. Il y a un peu sur la mission. Je suis arrêté de prier, c'est chanter deux fois. Donc, tu as deux casquettes. Voilà. Donc ça fait 40, presque 45 ans que nous sommes là en train de servir Dieu. Mais au Banda, il y a un nini liboso. Koyemba, bien sûr, Koyemba. Dans le Banda, il y a un choral. Le choral, il y a un simple choriste. Dans le Banda, il y a un peu quand on a dit malem, malem. Tantôt au Banda, il y a un choral. Il y a commencé à griot. Tant que je tombe la frère mente, tout ce monde a un groupe de prière moko. Tant que je tombe la couple bleue, tombe le groupe de prière moko. Et c'était comme ça, bah, Paul Balenza, Bisope Toyema déjà. Okay. Et ça qui est niveau dans le niveau, tu es comme tant mon père Bisope Nzambago tombe là. Donc on a, par rapport à tout ça, ça fait presque 45 ans que nous sommes là. 45 ans de carrière de Papa Denis Mondé. Au grand dénigme, le temps où il est obéta, il soulève Papa Denis. Azolo Bagueno, modèle, icône, père de plusieurs enfants. Et là, si j'ai la gloire pour Nayo, soit tes alliés, si j'ai à Yo, Pesanza, mais merci. En aucun cas, et comme un sujet à gloire,
Bien que Paul dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Okay. En aucun cas, n'a cause en démon. Parce que ma vie n'est que vous êtes là, dans la grâce de Dieu. D'autant que j'ai dit gloire à Dieu et je vois sa fidélité pour trouver ma personne. Je vois sa grâce trouver ma personne. Je vois son amour trouver ma personne. Je ne peux pas dire que ça, c'est la gloire. Aussi, j'écoute tout dans un ami qui est encore plus bas devant mon Dieu. Et pourquoi pas aussi plus bas, que, plus bas devant les hommes. Donc, ce n'est qu'un sujet de fidélité de Dieu. Un sujet, il y a une grâce pas en Zambé. Un sujet, il y a un Zambé combien de fois il est bon. Dans les circonstances, c'est bien la vie. Dans le combat, l'empoisonnement, l'accident, le miango, le complot, tout. Mais nous avons un Zambé qui est ce qu'on a retenu. On peut dire aujourd'hui que au lieu de se réjouir dans le domaine où ou soit ceux qui ont appris qu'il faut pas bander la papa Denis ou qu'on dit moi ça nous chemin ou ce sont d'ailleurs la musique. Non, est vrai pour Dieu, c'est une bonne chose. Tu sais, dans ma vie, dans ma famille, tu sais que tu peux être mon nombre de 10, surtout quelqu'un à 4. Moi et mes deux petits frères, quand tu es mon gars, comme un chef de famille. Okay. Voir que tous mes grands frères sont partis, je me demande que. Bayo, Basili, Kokoufa. Très bien. Pourquoi pour dire que donc tant on a bilo qu'on a mieux ce que non, je vois la grâce de Dieu et la bonté de Dieu dans ma vie. Donc vous voulez que vous changez domaine, donc vous changez de domaine, que je vais rester là servir Dieu pour te bon fidèle serviteur. Entre dans mon repos. C'est amen. Ce que j'ai toujours entendu. Donc là, on peut chanter chrétien jusqu'à la mort. Gloire à Dieu. Jusqu'à la mort. Amen. Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Voilà, c'est partagé. Papa Denis, Lélo, tu es maintenant le solo qui est à carrière. Avant Lélo, qui est Denis Ngonde, tu chantes, tu prêches la parole de Dieu. Comment ça a été d'abord le faible commencement de ton ministère? Comment tu as rencontré Dieu? Moi, j'ai commencé dans une chorale, la chorale Écho du Ciel. Une chorale qui totalise aujourd'hui à peu près 95 ans. Parce que quand moi, je fêtais mes 40 ans, 43, 42 ans, 42 ans, chorale est fêtée qui Écho du Ciel, est fêtée qui 90 ans, tu fêtais qui 90 ans. Donc, le 25 décembre 1978. Vous ne pouvez pas dire comme le Belge 78. Dans le 25 décembre 78, pour la mission missionnée, ça l'a tant aux yeux déjà cours à catéchumena, tant aux yeux, baso pour nous, qui ne code de dimanche, qui ne ligue, qui ne chorale, vous savez le choix. Donc, dans le 25, on a banné la chorale, le code du ciel, et la banné la chorale, si nous avons ma choriste, choriste, petit à petit. Donc, on a dit que la musique est banna, banna, kala, ou tout au moins, on a ressenti l'ango, mais trois grands frères, mais regrettez trois grands frères, parce qu'il y a un orchestre, mon bon, qui va être sensationnel. Et papa à musique, on a un peu de groupe à répéter, chanter, à comme ça, ça pas un abisso. Donc, musique pour l'anglais, c'est qui n'a qu'à t'en sortir, on dit que la bazalaki. Et tant on a que Baniko Kola, n'a bon, n'a que ça karaté. Justement, n'a que ça karaté, ti, n'a que ça sport. Un sport, n'a qu'on peut sentir bête. Sentir verte. Sentir verte. Sentir verte. N'a qu'à y en avec moi, c'est pour ça que, n'a qu'au tard, oh, bon, n'a qu'à y en a timide, pourquoi n'a qu'on n'a pas de répéter. J'ai décidé. Je me suis décidé à côté de la chorale et étant en côté de la chorale, et c'était parti jusqu'à aujourd'hui. Et il est vrai que je suis levé mon livre sur la Bazaraki. Mais ce que le Seigneur a fait dans ma vie, oh, que ça nous soit loué. J'ai vraiment réalisé combien de fois le Seigneur, il est un Dieu miséricordieux. Okay. Et à tant que je suis en train de faire la chorale, après la chorale, je suis en train de faire la chorale, l'église n'a pas eu le Itaga, le compagnon du jour. Après, les enfants prodigues. Après, on va produire aussi le groupe, il y a Cœur Uni, les jeunes chrétiens d'Itaga. Après, on a aussi les enfants produits. Après, les enfants produits, on a un groupe accompagné du Jourdain, l'église de l'Itaga. Après, on a entre-temps, on a accompagné du Jourdain, on a un peu carré sur le groupe, on a un griot, le gars a fait mente, on a coupé le banan, on a un peu de prière, on a un cadre choral, il y a un groupe de prière à Lac-Mouero. Aussi, on commence la mission. Okay. Au passé, Michel Zikian a dirigé ce qu'on a pris une boîte d'un passant. Non, car petit à petit, nous avons dit,
Nous avons un groupe de prière. Quatre personnes sont venues de Jérusalem. Dans la paroisse, dans le groupe de prière, nous avons un groupe de prière. Et si vous êtes embarqué, vous avez un groupe de prière. Vous avez un groupe de prière. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Parce que le Seigneur avait utilisé une personne comme une Ndeko Guiland. Je le salue et je le suis son épouse, Maman Keva Landou. Il y a des gens qui pendant que je n'étais pas connu des gens, mais le Seigneur avait convaincu, le Seigneur avait touché son cœur. Il y a des gens qui ont été touchés. Et c'est vrai que tu as prié dans le groupe. Et ensemble avec Ndeko, j'ai fait ça, Michel Mampouele, c'est Mamie, tu as comme ça qui m'a dit, mon épouse. Batebele balobi alika ki pega na ba via hein que ma vie wana otebi ali banda wana. Est-ce que c'est vrai ou faux? Tu as commencé directement enfant de Dieu ou bien tu as eu aussi le temps de faire ce que les chaînes font? On ne peut pas commencer en tant qu'enfant de Dieu, jamais ça ne se fait pas. C'est en grandissant que tu as la choix et à kolanda Christ et ça a choix mon ko si on est encore d'interpeller Yosu Lananga, mon avis nous a nous allons gagner. Nous avons été permis de couvrir Béaté Bomoy. Il y a un peu Paul quelque part avec tout me permis, mais tout n'est pas utile. Et ça qui soit utile, là, yo, ils ont nini. Ton utile, c'est faire le choix de suivre Jésus-Christ dans ta vie. Donc, encore là, n'amenez pas vivre, nous avons arrivé dans la karaté. J'étais un grand coureur de Nino. C'est ça qu'il y a en famille. Un grand coureur de Nino. Il y a en famille. Et nous avons un angoulou. Finalement, voilà, je me suis décidé un jour dans le Seigneur. Dans 5 ans, expérience est belle dans la musique. Mais vous gardez toujours votre énergie, vous gardez toujours votre taille, et votre nom, comme la Bible dit que. Mon serviteur sera replacé. Amen. C'est ce qu'on est en train de voir chez vous. Gloire à Dieu. Avant tout, on t'amène la question où j'aimerais d'abord tous en voir en live parce que tout cela dans mon na début émission, mais tous en live. Je pense qu'à la maison, on va comprendre qu'il s'agit de Papa Denis Ngondé. Etondi na posa na yo na koluka longi na yo kolo mi monisa motema na ngai etondi na posa na yo na koluka longi na yo kolo voilà, je pense que nous sommes bénis à la maison. Nzemboyo, yabane nabane, mais si les lots, ils auront toujours une actualité. Et plus, et non l'actualité de ce monde, mais l'actualité de l'adoration. C'est-à-dire, lorsqu'on adore Dieu, il faut se référer avec ce genre de chansons. Papa Denis Ngondé, secret des animes. Ngolo. Tant que ma benga à Batou, à Talagate, nous avons 3 fois 5, ton 3 fois 5. Ok. Même si on le voit. Non. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Il m'a fait grâce. Il faut que vous de vivre selon la vocation qui vous a été adressée. Le Seigneur m'a adressé un appel. Il a mis à moi une vocation.
je me suis impliqué là-dessus et là tinzoto na côté na vocation na ko tamba na ngi kino tango na zakaka vous savez ko zuwa attitude na ko kota kat na vocation ma no sumi balé bon moino mon bimba alors que na Joseph tango je parle d'Israël quand je pomme là-bas na bina na moi ni mon habitat c'est l'œuvre de ton Dieu qui te bénira c'est l'œuvre de ton Dieu qui t'aidera. Dès que j'ai compris que mon appel métier des ananas, qui nous sont en tournant sur l'étude, maintenant je suis en master en théologie. On va parler de ça. Gloire à Dieu. Mais, vocation, nous avons le yembo, et ça, le banzam. Tant qu'on comprend d'ailleurs comment il cote ça. Je me souviens, mais j'ai abandonné mon travail. Pendant ce temps-là, je me souviens, comment il gradue, je suis donné et accise. Pour assister, ça, il n'existe pas. Tant que si, si, quand on a quelque part un accompagnement, on a comme ça. On a été, on a été comme ça, on a baigné à temple. J'ai obéi automatiquement. J'avais rien. Je n'avais rien avec moi. À peine, je quitte à lui 14 ans, je suis allé au vendre au camion de pantalon, je suis allé au test de la gare. Je suis allé au pantalon de côté de la dame. Tu es venu à peine électa. Tu es venu à qui t'es tu. Mais c'est dans ces conditions-là, dans cette condition, je ne pourrais pas dire dans ces conditions parce que Bélé, on est en train de faire des choses obéir. Donc, quoi pour dire que dans ma vie, dans la nanzam, dans mes côtes ici, voilà le résultat. Parlons maintenant de la musique. Tant que l'on aura musique, tant que l'on s'est rappelé, à l'époque où vous avez commencé votre carrière, ils avaient battu au Koutaki, ils avaient battu pour ne pas le peuple de Dieu. Mais oye, au côté si peu qui dénigre la musique à l'éloi à Congo. Ah bon? Et tant que vous avez la musique à mon pays à l'éloi à Congo, tu te dis que c'est un avancement mon corps ou bien tu regrettes de quelque chose. La musique à l'éloi, n'est-ce pas fonctionné? Parce qu'à l'époque, s'il faut souligner le mot, à l'époque, la musique est là qui, ce qui est bimisika, il faut que tu aies l'église, tu aies l'église. La journée chrétienne, ma matanga, tout qu'on sort. Mais les lots, c'est comme si échangeait façade. La musique est comme plus là-bas. Lié, tu es bien que la musique profane des fois bête. Mais les lots, musique chrétienne de Roman Bête. Parce que tant qu'on a la bulle, on a un peu de temps. La musique est là, ou est-ce qu'il y a un peu de temps. La technologie est là, et ça, c'est vraiment comme ma musique à l'île. D'abord, moi, je plains les gens qui croient connaître l'histoire de la musique chrétienne à mon bord. C'était des chorales. Ça n'existait pas. Et ça qui chorale là-bas na yeng. Et après matanga na biso tozoka partout. Et après toi kabeko. Et après t'as tiré matanga na biso na activité na biso ma mariage. Écoute, chorale ya papa na kuya na musita. Et après net tout le monde a pu kuya na musita comme ça va concert. À part la chorale, il y a un concert, notre groupe vocal, officiel, un peu plus tard, à Kokota. Les concerts étaient beaucoup plus par rapport à la chorale. Mais si le chrétien fait un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de concert, il y a tant que griot. Et après, tout le monde a pensé que je me disais, bon, autour de la histoire de la musique chrétienne, est-ce que la musique chrétienne a-t-elle évolué? Ok. Les gens ici, mais ça t'a questionné, n'est-ce pas? Oui, oui. Bon, la musique chrétienne, nous avons trois dimensions. La dimension spirituelle, je ne sais pas. Quoi dire, sur le plan technique, oui, la musique chrétienne a évolué parce que les la musique chrétienne, musique oui, de l'autre côté, la musique profane, permettez-moi l'expression parce que l'expression, cette expression ne vient pas de moi. Ce qui reste fait le mot du combat est aïe aïe mon passe le bambou tout le monde souffre mais souffrir donc passe donc la dimension moussoussou et la dimension présence yamout les musées chrétiens je le plains parce qu'il est beaucoup plus devenu artiste que serviteur que lévite. Amen. Les gens qui ont commencé ce ministère qui ont commencé cette table avec Dieu, c'était les gens qui servaient au temple. La musique chrétienne, d'abord, c'est une musique du temple. Après, comme musique, il y a évangélisation. Okay. C'est pas une musique qui a été faite pour faire danser les gens. Non! Oh. Non!
Donc, s'il faut parler de la musique chrétienne, on doit parler de la musique chrétienne à l'église. D'abord à l'église. Ok. Après, il a dit c'est évangélisation. Et l'année c'est pas plus à l'église il a dit que l'église bah yongo yoko yongo bah l'église on a bimini on a mandango on a mangon bah tout le temps mandango on a mangon pour la bombe on a mangon la vie de prière ainsi de suite mais ça on ne musique chrétienne on va mettre dans bar et que bah tomba bon les barres on va le voir obligé de distraction aïe 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 c'est un problème vraiment parce que aujourd'hui papa Denis je vous dis je pèse mes mots musique chrétienne belle les lots bon bah comment mais que la courrier bah que ceux qui est en actualité la quatre il y a ma bar il y a ma boîte de nuit la carte il y a ma lieu ils ont payé ça on est resté pas dedans il y a quelqu'un qui m'a posé cette question lobby musique na carte il y a bar est-ce que c'est un péché ou bien c'est tout à fait normal musique na carte il y a bar sans impacter les gens c'est une distraction c'est un péché pas un péché mais c'est une distraction okay. Et ça n'a pas différent tel manzé ma bande quoi na musuba oyemba bande quoi bar c'est plutôt le micro qui na la stade des martyrs c'est pas différent c'est comme mon co bah toi yoga la mon bar c'est la kindumba. Okay. Qu'est-ce que toi tu as fait est-ce que tu as fait que nous avons impacté le monde? C'est-à-dire que c'est une distraction. Mais vous, tant que des icônes, bah, géants, bah, papa et musique. C'est celle Dieu qui est géant, moi je ne suis pas géant. Non, mais vous êtes quand même géant parce que. Papa Denis, lorsqu'on parle de vous, on ne parle pas de la taille, mais on parle de durer des années que vous avez fait à travers ce domaine. Donc directement, on comprend que. Bah te bénir le bazar imparti na ministère nayo bah te bénir bazar béni na ministère nayo au kanserata au sein de l'eau mort était pour nous redresser domaine où on est en peine en forme bon na cause na volonté pas pour missionner le bate quoi le moyoka yoki musique chrétienne ma bien on se recommande ni et comme le quoi un royaume de masango de maïs où tout le monde a demandé nkolo azate moi nous kazate. Donc ça m'a passé. Na lo bateva ngoyo ka yoki nae. So moni ke nzambe nde ma bouche. Ndame da utilisant pour na sumaye. Ayoki. Mais elo mutu ezani papa. Tu es tenté de faire quelque chose. So ko zamba son. Okuno tonga mbala mokote, okuno ka prendre de maçonnerie, si moyo bando sala. Et bitu ya po tonga ndako. Biso to so msala nzambe na nzala lo yembo. Peut-être pardon, na talent, na grâce, nzamba pesi yo okote na kat na pelle. Mais finalité, en gros, ils moi, fidèle, c'est invité, entre dans mon repos. Okay. Nous sommes en train de vrai poto kota lola. Tu yambé ce poto kota lola. Tout beau, ça n'a pas été. Et quand nous lui mettons dans le monde, dans le bien monde, dans l'avantage en monde, dans le succès en monde, c'est ça le grand danger. Et on va t'en mettre dans ma boko, et dans la gêne, dans mon thème, dans mon thème, dans mon thème, dans mon thème, dans mon thème. Donc, musique chrétienne, ils ont un danger actuel. Ils ont un danger. Papa, ils ont un bon thème, ils ont un bon thème. Monsieur Bamanda bien, tant qu'à gloire et y est, peut-être on a changé les malamoko. N'a pas autant de combo. Peut-être ces gens-là peuvent comprendre ce qu'il y a. Mon nom, Santo, à ce que tu disais, je crois que c'est le même esprit à Katnayo, au Yok. Au Banda est bien. Mais mal bon, Missy Nicolo, est-ce que Zamba a tiré gloire à Nango? Tant la Bolande de nos groupes, Yamu Kilo, n'a pas autant de combo, Nango, Bolandi Mango, Sebena Bango, Yamu Mazem, non, mais t'en as pas. Pour beaucoup de gens, vous savez aussi que je vous aime beaucoup. 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 Vous savez aussi que je Yum de tout le monde, je suis un peu kimia et puis ça est tout. Je suis un peu plus pour ça mate na yango. Est-ce que les gens ont temps comprendre pendant que ma soeur, mon frère, a autant de bien été au bengi et puis c'est mon frère. Mais toi là-bas, j'ai à te parler. Non, au moment où nous avons, chacun de nous a un père spirituel, chacun de nous est membre d'une église. Je suis un peu plus la pasteur, je suis un peu plus la nénité, surtout je suis un peu plus la nénité. Okay. Moi j'aime plutôt moi t'es mal à l'ingrabande comique surtout on a ça que moi les gens n'aiment pas les trois personnes je les aime beaucoup mais oui quand tu vis bon n'ingrabande comique ce qu'on t'approche on n'a pas dit parce que est-ce que les gens ah non c'est mon ami la bonne chose c'est un mot pour n'aller oui c'est vérité quand je me disais bon ils ont bandé beaucoup qui ne m'étonne pas beaucoup qui ne tu
tu commences à faire ta musique par rapport à l'autre, tu commences à faire ta musique par rapport à temps. Mm. Et cette musique, c'est la musique à temps. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ici sur la terre? Okay. Il y a quelque chose de nouvel ici sur la terre? Il y a quelque chose de sika ici sur la terre? Tout ce que nous avons le cas là, tout ce que nous dans le Seigneur. Nous avons un peu de mettre le thé. Mais à vie, nous avons un peu de temps. En tout cas, pour bien. Bon, je pense qu'avec Dieu, tout est possible. Malgré papa Denis atteint ma communauté, mais moi je m'aurais déjà lancé ce message. Il faut tout bénir. Bah, c'est la musique qui était par rapport au public. Ok. Après quelques temps, crucifiez-les. Tout ça, la musique qui était par rapport à Nzambe. Amen. Et surtout, il remarque que la musique a été bimi après un moment et c'est disparaître. Et ça, c'est comme si moi, je disparais pour passer à la cycle. Ça fait pratiquement comme si je disais, je vais album. Mais on retrouve des chansons telles que de Gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu, tu me connais d'ailleurs. Même presque tous les jours, on est en passant là. Je vous le dis sincèrement. Je suis dans le karaté, je suis presque pas là. Mais nos chansons sont chantées dans les églises, dans les ministères, dans les assemblées. Il y a des fois, on a quelques cours, on a 6h, on a 15 ou 30 cours, après cours, on a quelques moments, je rentre dans ma maison vers 22h. D'ailleurs, on a quitté les lots, on a zoomé tout le monde, on a quitté cours. Après cours, on a quitté la maison, on a payé son impôt, je m'excuse, mon neveu vient de mourir il y a 2 jours passés. Merci à Nardo, payé son âme. Abela qui a dit la sous-intensif, on a pris un peu de signal pour puisse augmenter. Donc, tout en a dit, que dès la semaine prochaine. Je pense qu'on sera là et on va faire l'essentiel. Donc, mes condoléances à toute la famille Ngonde, ça m'a pas mal à bien. Alors, papa, de nous, de tout peu, il y a une sœur qui m'a demandé cette chanson, Kolo Lina Mingi. D'abord, auto maquille bientôt là. Oh oh, la sœur. La sœur. Non, on va citer son nom après. Ok, blood. Mais on fait plaisir d'abord. Yozali Zambi, Namawa, Ganata Tolingo Lunayo, Bolingo Nayo, Bonangai, Etindi Nagumba Melayo. Yozali Zambi, Namawa, Ganata Tolingo. Bolingo na yo bona ngai etindi na gumba melayo kola yo lingi ngai amani yango na bomo yangai wana na sala kibitele ngano polo kote kinga yo sukoli ngai okomisi ngai mwana voilà, merci beaucoup. Je dis un grand merci à Madame Laure Ndikisa. Je pense qu'elle me suit à la maison. Je t'aime beaucoup, maman. Que Dieu te protège. Que Dieu te bénisse. Je dis aussi un grand merci à Madame Noëlla Chilanda qui me suit directement à la maison. Sans oublier mon petit que j'aime beaucoup, le petit Jean. Je sais que tu me suis à la maison avec Madame Sarah, Monsieur Olivier. En tout cas, lui, c'est mon ami. Kabe Yankunda, que je t'aime beaucoup. Papa Denis Ngonde, les Losikoyo, sur le bouton de la Marambo, est allé musique ou adoration. Parce que, Mandemoule Bele, sur le bouton de Kotana Mozindo, c'est plus l'adoration. S'il faut parler de l'adoration, tant que quelqu'un qui a beaucoup eu le temps de. De passer dans ces domaines, tu as qu'on trouver adoration wapi. Na katia musique, soit na katia vie à mutu personnel. Bon, je plains. Il y a un groupe de jeunes frères, je ne peux pas dire un frère,
le temps dans le baranga, il va dénoter, il va adorer tout aux explicateurs. Et c'est que ça, oh. Mais, Et pourtant, ceux qui vont se faire, ils vont pouvoir adorer un zambé. Très bien. Ils vont pouvoir adorer un zambé. Obligatoire. Ouais, il faut. Donc, ça veut dire, l'adoration, c'est un esprit. Et d'abord, qui vient de Dieu. Et quand la moutée ma moutou, à pèse à moutou, posa mon co, moutou, ami mon a pamba sans Dieu. Et pèse à la kata moutou, posa moutou, mon a été sans amba au comaté. Ok. Et pèse à la moutée ma moutou, moutou, mon a été sans amba au cota l'olaté. Et pèse à la moutée ma moutou, moutou, comaté sans ambe, na ubicaté, na longaté. Quoi vous dire, ceux qui se comptent à mon dingwana. Et puis ça que mutua lukanzam et tant que lukanzam est pas retourne dans ça tant lukanzam pour nous mener combien de fois ça mala tant que mi kitsa pas dans ça tant que kumba ma pas dans ça c'est là où que et ça là ga maramo c'est le comme adoration. C'est quelque chose qui est dans la vie de nous au par rapport même il y a marche naï et tinda le cola Daniel ses trois compagnons batin ma adoré statue adoré statue à bouille. Batina Dolom conduit pas boy, pourquoi Babi Bébé te donnera point d'autre Dieu devant face et tu ne t'ingénieras jamais devant une statue bien un moutou. Babouyaki, voilà ce qu'on appelle l'adoration. Refuser de faire des choses qui sont contre à la volonté de Dieu, à la gloire de Dieu. Parce que beaucoup de l'adoration, c'est obéir à la parole de Dieu. Amen. L'adoration, c'est se soumettre à Dieu, respecter le principe biblique, respecter la parole de Dieu. Et c'est là où quand tu vas chanter, c'est là où quand tu vas danser. C'est, tu dis que tu es tenté d'adorer Dieu. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que pour adorer, il faut seulement chanter? Ou bien il faut seulement prier ou prêcher la parole? Est-ce que l'adoration a quelle forme dans la vie? L'adoration, je l'ai dit, je venais le dire tout à l'heure là. C'est pas les paroles que nous prêchons, c'est pas les paroles que nous faisons. Très bien. Nous faisons sortir de belles phrases que nous composons. Pour dire à Dieu combien de fois il est merveilleux. Tout ça, les corbeaux, les renards, sinon nous ne sommes pas loin du corbeau, les renards. De ce que les renards faisaient devant le corbeau. Nous sommes en train d'adorer, de nous soumettre devant Dieu. Nous sommes en train de nous soumettre devant Dieu. Nous sommes en train de dire à Dieu qu'il est notre roi, il est notre Seigneur. Et on le fait avec une certaine attitude. Et quand on arrive, d'abord, c'est quelque chose qui saute du cœur de l'homme, d'un cœur reconnaissant, d'un cœur humble. D'un cœur qui craint Dieu. Et c'est ça qu'on appelle l'adoration. Et quand ça sort, la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche s'ouvre. C'est là où ton cœur va commander à ta bouche. Ton corps, âme, esprit commande à ta bouche de dire à Dieu comment il veut merveilleux. Parce que Dieu n'a pas de bateau. Non, parce que l'idolâtrie à battre. Quand tu fais ces choses-là, quand tu dis de belles paroles à Dieu, des paroles de soumission à Dieu, sans que ton corps puisse te commander, c'est là où tu es tenté de faire l'idolâtrie. Okay. Qui est différent. Les belles phrases n'ont rien à voir avec l'adoration. C'est l'expression du cœur qui est l'adoration. C'est ta marche, la vie que tu mènes, ton obéissance à Dieu, ta soumission à Dieu, ça qu'on appelle l'adoration. On n'a pas besoin de chanter, Daniel n'a pas chanté. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui m'ont dit que nous n'avons pas chanté. Non, mais c'est que pas n'a rien à voir l'adoration. Rien à voir. Moi, je vis des gens mais commence à adorer. Moi, je vois à bout de mon témoin. Il n'est pas le seul mission pour prendre un bon nom pour mon bon temps. Mais premièrement, que vous avez c'est une vie qui se soumet à Dieu, une vie qui craint Dieu, une vie qui est dont on reflète le sang de Jésus, et cette vie-là est consacrée totalement à Dieu. C'est là où nous allons dire que même les offrandes que nous donnons est comme adoration, même les danses que nous exhibons est comme adoration, même quand on vit à l'église est comme adoration. Fruit, tout ce qui peut être écarté de Dieu, ça qu'on appelle l'adoration. Est-ce qu'il y a une différence entre un enfant de Dieu et un adorateur? Un adorateur, c'est un enfant de Dieu. Okay. Il n'y a pas une différence. Mais un enfant de tout ce qui se dit enfant de Dieu, un enfant de Dieu selon Dieu, il doit être un adorateur. Il y a encore un ministère dans un mot. Comme le ministère n'a pas été garni sur les adorateurs. J'ai déjà trois ensembles. Moi, on a communiqué. Moi, on a pompage. Moi, on a
na kingabwa garde parce que nous voulons enseigner aux gens que vie dans nos vies adorateurs en tout lieu tu dois adorer tu dois être un adorateur c'est un mode de vie ça qu'on appelle l'adoration. Voilà, nous enchaînons déjà petit à petit à l'atterrissage de cette émission, mais avant d'atterrir, tout le gouvernement Marambo est allé actualité à l'élo, papa de Ningonde, il y a tout ce qu'on nous sait sur l'album où il faut Bima, Yaya, na, Tata, Tata, na Lingala, papa na, na français, français et na portugais, Paye. Paye. Mais et où mets-moi Mikoule Pelé pour Ebima? Ça tarde encore pourquoi? Il y en a qui m'en bat, on a tout. C'est le finance, disons pour ne pas dire la finance qui nous fait défaut. Moto, nous sommes dans le pays en bon 40 000, 50 000 la pièce en bon. Mon album est ça, même pas un mois. Et maintenant, il faut que ça va pas annoncer. Et surtout que l'album, on a oublié ça en balo et béni batou béni. Batou, ça va l'isophone, la langue portugaise. Tout ça en Angola, tout ça en Lesotho, tout ça en Brésil, tout ça en Portugal. Donc au-delà même, il y a le monde de l'ingalaphone et francophone. Tout ça en bateau français, il y a le monde francophone, et il y a un bateau qui soit l'ingalaphone, tout ça en anxion, que le cabalan ou en anion. Donc on va se retrouver. Et là, on a mis tous les arts. Ils ont toujours le même midzim. Et ils m'ont mis en français. Il y a un peu de lingala et un peu de portugais. Dans le portugais, ce qu'on a c'est vraiment différence pour dans la curiosité. Naturellement, des mots dans le portugais, dans le lingala, dans le français, dans le bain, dans le français, et dans le lingala, dans le portugais, dans le lingala, et dans le portugais. Maintenant, il y a un peu de temps. C'est comme si notre tchèque avait la même chanson, ou dans le français, dans le portugais, dans le portugais. C'est comme si tu as un peu de temps. Parce que ça va passer à peu près 47 chansons, c'est 47 chansons, nous avons 11. Quand je dis 47 chansons, ça veut dire que 47 personnes qui ont dans cet album, on a mis plus de 200 chansons dans un album, on a mis ça dans notre tête. On a mis ça dans notre tête. On a mis ça dans notre tête. À quand la fin de carrière, tu ne peux pas dire. Qui n'a pas encore le bonheur avec les bons fidèles, certains d'entre eux. Non, carrière musicale, s'il faut souligner. Il y a un petit gâté. Est-ce que ma vie peut être écartée de l'adoration et de la musique? Je ne crois pas. Non. T'as les appels mieux belés qu'en limite. Je me suis dit, je suis un bon, mais je ne suis pas un studio, je ne suis pas un guitare, je suis un élevé. Il y a une madame, madame, je suis un peu plus tard, je suis un peu plus tard, je suis un peu plus tard. Je suis un peu plus tard. Et surtout, on a mon changé de guitare. Ah, guitare, je suis mais je suis un peu plus de mon thème, guitare. Voilà, en dehors, il y a l'album Yaya, en dehors, il y a musique. Nous avons appris que Ozongeli classe. Yeah. Master. Ah, voilà, bon. Dans cette licence, dans Leadership Academy, ça fait pratiquement 5 ans, 4 ans, 5 ans, pendant la 6 ans. Je continue master. Mais c'est finance, c'est un défaut. Bon, dans quoi occasion on a coûté un promoteur mais c'est malité mais nous avons aussi dans il y a docteur Paul Pindi Panzu nous avons aussi l'angola fondé université marocaine en Fatek ils ont un croisement à Sosa na triomphal université malamo ou bata licence bazawana bata master normal ils ont un master VIP na doctoring ils ont un doctorat exact. Donc, ça université mon bien. Bisous tout à l'angolo, bisous 12 à ton dama, ton liac. N'est pas là. Ou bisous d'yau, bisous ta master VIP, ton liac. N'a master VIP. 12 heures pendant le système américain. Le quoi avant les États-Unis, système américain. Ah oui, imaginez, 12 heures pour liac, là, sous papa, des noms de Simbi Guita, souka, là, mais t'y je ne sais pas. Enfin, je ne suis pas là pour. N'a pas de nom, mais t'y en a pour apprendre. Sur moi, apprendre, tu dois. Il faut que nous apprenions. Il faut que nous apprenions. Il faut que nous apprenions. Il faut que nous apprenions.
Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Mais tu as cette émission, vous étiez dans la question. Nous avons dit que nous avons dit que pourquoi. La Sili Sana Ouara. Question que tu as dit. T'aider bien. Il est battu. Il est battu. Papa Denis Ngonde, Zamba pêche au pouvoir à lobby na longo likolo na koti katina yo. Et le rozo loba siko et do salama. A psio bon, dans un musicien profane, pour un musicien moko, yepsa bon à la mtema, bon li directement. Ou pour un an. Est-ce que bon le mtema, Zamba pêche au pouvoir, a bi na pêche au pouvoir, ou yozo lobe do salabdon. C'est-à-dire, ou yepsa ramoutouana yo à partir à l'élo, ou comme maman ou yemelan Zamba. Donc cela veut dire quoi? Tout ça, le gars, on a dessiné pour la Paul. On a dessiné pour la Paul. Alors, on a Paul qui est Paul. Alors, on a Paul qui c'est fini. Assez. A bon, on a monté mon coup. Ok. Nan, on a pas une balette. Tu es sur l'élo pour un an. Fallait la faire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce. Olivier Satou. Frère Fali, Kofi. Frère Fali, frère Na, frère. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés vraiment pratiquement. En tout cas, ça l'effort. Question est la révélation. Hein. Amen. Bientôt la pouvoir et puis. Amen. Je le crois au nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quant à moi, je dis vraiment un grand merci à mon équipe technique. Je vois à la caméra mon ami Torres que j'aime beaucoup, que Dieu te bénisse. Et je vois l'équipe qui était là au grand complet. Et je dis aussi un grand merci à ma maman chérie, que je ne cesse de dire, maman Bia Godelive, ainsi qu'à mon vieux que j'aime beaucoup. Aussi à Mel Yangonde, I love you. Mon vieux le maître fidèle Bobois, mon vieux le préfet LG Batata, je vous aime, c'est la famille. Papa Denis Ngonde, un mot de la fin, n'a pas tout balandio l'élo, l'après-midi. À tous mes collègues tout le temps, à Fatek, Zama Pomolabino, à Douane Abisso, Zama Pomolo, docteur Portindi, à Maman Charlotte, puis à Ndegonio, ce bazar, Zama Pomolo, venez, vous en Fatek, vous serez bénis, si tu nous as passé vos informations, c'est très important. Et c'est là où j'ai réalisé, prêcher la parole de Dieu sans connaître le bleu, sans connaître les Grecs, et moi, je suis tout conscient. Soyez les bienvenus dans Fatek, Zama Pomolo. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le samedi prochain. Mais si tu as eu si tu n'as pas eu le temps de suivre cette émission aujourd'hui en direct, le jeudi à partir de 15h30, c'est la rediffusion. Restez branchés et connectés sur FM Télévision. Que Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye, au revoir. On se retrouve le samedi prochain.